Donne-moi un peu, une minute là. Je mets un pull. La vérité. Mes amis, lorsque vous avez à dire, dites-le simplement en étant content. Ce qu'on ne veut pas que vous dites, c'est ce que moi je vous dis. Avant d'aller porter mon pull. À
avant d'aller porter mon pull, s'il vous plaît, écrivez-moi, il y a combien de notaires au Cameroun, les notaires qui ont des charges. Je viens et mets le pull. L'Église, l'homme du futur. Qui est côté qui doit te rencontrer. Qui ne savent pas la langue Bakossi, je vous mets un peu, on parle un peu le Bakossi avant de lancer le direct, on parle un peu le Bakossi et comme ça, on va lancer le direct là, on parle un peu du Bakossi, on parle un peu du Bakossi, on parle un peu du Bakossi avant de lancer le direct là. C'est le national anthem qu'on a causé. Et hop, et bien, et là, c'est le corps. À la caméra,
le Bakossi. Ça, c'était l'hymne national du Cameroun, chanté en langue Bakossi, Ewo, Ebe, Eni. Quand vous dites que c'est le blanc est venu bien vous diviser. Les doigts là et Bakossi, c'est pas la même chose. Ewo, Ebe, Elalo, Eni. La même chose. Bon, les amis, vous savez, quand les gens refusent de voir des choses, nous on vient vous dire ça. Au Cameroun, il y a 68 notaires qui ont des charges. Ils sont 68. Bon, je vous pose la question. Il y a combien de notaires dans la région du centre? Si vous ne connaissez pas, dites-moi que grand, on ne connaît pas. Moi, je déroule. Il y a combien de notaires? Il y a 68 notaires qui ont des charges d'ensemble du territoire camerounais. Il y a 68. Il y a donc combien de notaires au centre qui ont des charges, qui sont originaires du centre? Ils sont combien? Arrêtez de vous faire tromper. Arrêtez de vous faire tromper. Vous vous faites tromper. On a trompé vos parents et on veut encore vous tromper. Parce que vos parents ont l'art d'avoir de la division. Là où il ne faut pas avoir de la division, au lieu de défendre leurs intérêts, ils commencent à faire la guerre entre eux. Ce n'est pas la première fois, hein? Ils ont fait cette guerre après avoir renversé André Malim Bida. Ils étaient six. Six bêtis. Lorsque la décision est prise de changer André Malim Bida, on a convoqué les cinq bêtis Benanga. On leur a posé la question, parmi vous cinq là, donnez une personne. Allez vous entendre, donnez une personne. Ils étaient incapables, eux cinq, à dire que bon, ok, c'est toi, Akola Akamba Ibrahima, c'est toi, Okala Charles, c'est toi, Bida Etienne. Ils étaient incapables de s'entendre sur qui va être leur nouveau chef. Comme vous voyez, c'est en train de se passer là, Yaoundé, ils luttent, ils cherchent à savoir qui va être leur nouveau chef après le président Biya. Vous voyez, ils sont en clan, en clan, en clan, en clan, en clan, en clan. Ils se font la guerre jusqu'à ce que la mort est à côté. Entre-temps, les bonnes choses sont derrière la porte. Comme ils sont en train de lutter, les bonnes choses sont derrière la porte. Jusqu'à ce qu'ils ne se sont pas entendus, ils ont trouvé la solution d'aller dire aux Blancs que, vraiment, nous on trouve que il faut que tu choisisses toi-même. Le blanc a choisi Aïdjo. Le blanc a compris qu'ils ne pourront jamais s'entendre. Donc, ça a donc facilité le blanc de choisir et de leur dire donc que vous allez avoir un axe nord-sud. Comme vous le voyez là, la Yaoundé là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé, c'est une vieille habitude de nos parents là. Ils ont toujours fait ça. Quand vous voyez, ils sont en train de lutter là, à Yaoundé. Ils discutent. Qui va être le leader? En massacrant les autres, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle intérêt. Leur intérêt, c'est quand c'est lui qui est devant. C'est ça qu'il appelle intérêt. Entre temps, il y a 68 notaires au Cameroun. Écoutez-moi bien. Qui ont des charges? 34. Je répète, sur 68, il y a 34 qui ont des charges dans la région du centre. Et les 34 qui ont les charges dans la région du centre, tous sont originaires de l'Ouest. Le jour où vous allez vous réveiller,
et de comprendre ce que je vous dis depuis le sens des intérêts et de savoir ce qu'on appelle c'est quoi l'intérêt, mon intérêt au sein d'une république. Ce sera déjà trop tard. Vous serez enseveli jusqu'au cou. Moi-même de bouger la tête, même il n'y en aura pas. Parce qu'on va mettre une corde ici, là, attachée là. Attachée là-bas derrière sur le poteau, tu restes comme ça. Parce que les gens ont passé le temps à ne pas comprendre ce qu'on appelle l'intérêt. Vous savez ce qu'on appelle le travail, vous savez le travail d'un notaire. C'est pour ça que vous n'allez jamais gagner un procès de terrain à Yaoundé, dans le centre. Il vous sera difficile de gagner un procès. Et je vous rappelle, quand un notaire part en retraite, tant qu'on peut transférer ses charges à une autre personne, et mes beaux-frères se sont arrangés bien que lorsqu'il y a un notaire qui décède, que les charges doivent être bien reparties. On repartit ces charges entre les frères du village. Entre-temps, le peuple de la forêt est là, la main à la joue. Ils trahissent Paul Biya le matin, ils trahissent Paul Biya à midi, ils trahissent Paul Biya le soir, ils trahissent Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est venu vous dire, si tu viens dire ce que je suis en train de dire là, vraiment, le gars, il n'aime pas les bamilétés. Mais chaud, curieusement, il y a 14 notaires à l'ouest de Cameroun. Les gars sont bêtes. Il y a 14 notaires à l'ouest de Cameroun. Tous les 14 sont de l'ouest. Ok, maintenant, allons donc. Quand tu prends les 14 à l'ouest, plus les 34 du centre. Je ne sais pas comment sont mes parents là. Elle dit, parfois, tu vois, je vais connaître carrément le dire que mais ces gens-ci savent même dans quoi ils sont. Fait 34 plus 14. Ça fait combien sur 68? Ça fait combien? Dis que, pourquoi quand je vais connaître, dis que. Vraiment, c'est terrible. Mais comment des gens peuvent aussi être d'une naïveté légendaire? Tout ce que nos parents savent dans le centre, dans le sud, à l'est du Cameroun, au-delà, c'est parler le français. Ils te parlent le gros français. Ils te disent comment Napoléon avait fait comme ceci. Ils te parlent comment Victor Hugo avait fait ceci. Ils te parlent le gros français. Ils te parlent les antiques machins. Ils te parlent le gros français. Il finit. Mais entre-temps, le vrai pouvoir, je dis bien le vrai pouvoir, c'est pour ça que le président Biya, connaissant ça, il s'entoure donc des gars de l'Ouest. Le seul moyen du président Biya de comprendre où ils vont passer, c'est de remettre le RDPC aux gars de l'Ouest. Ça lui permet de comprendre où ils vont frapper. Parce que les siens n'ont pas compris où est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est lorsque tu contrôles les démembrements de l'État. Tu peux faire de cet état ce que tu veux. La preuve en est, nous sommes en plein dedans. On est en plein dedans. Vous avez lu ce que le président Kamto a dit. Président élu. Vous avez lu ce qu'il a dit sur le décès de Mendoza, non? Il dit que Mendoza est mort à cause du tribalisme des boulots. Mendoza est mort, père à son âme, à cause du tribalisme des boulots. Il dit que tu te poses la question. En fait, c'est quoi le calendrier? C'est quoi le calendrier?
Je suis dans... Je fais les directs depuis 2018. Moi, quand je pose mes questions, j'attends toujours que vous me répondez. Hein. Je vous ai posé une question que le président Amadou Ahidjo a fait 25 ans de pouvoir. Dites-moi un seul nordiste qui l'a trahi. Ma question là, j'attends toujours qu'on me réponde. J'attends toujours qu'on me réponde. Cette question. Montrez-moi une seule élite du Nord qui a poignardé le président Amadou Ahidjo au dos. Vous savez pourquoi nous sommes comme ça? Et je vous dis pourquoi nous sommes comme ça. Nous sommes contents parce que nous sommes moulés dans deux sociétés différentes. Dans le Nord Cameroun en général. Là-bas, on les a moulés dans l'islam. Dans l'islam, le frère, c'est le frère. Dans le christianisme, je peux tuer mon frère et je vais demander pardon à Dieu. Donc autant de fois, je peux faire autant de fois de crimes et autant de fois je vais demander pardon à Dieu. On appelait ça à l'époque ce... Comme tu es mon frère, il dit que parler m'a dépassé. Le gars a dit carrément que le professeur Mendoza est mort à cause de le tribalisme des boules. J'ai pris ma main, j'ai dit qu'on a dit, dit que papa. Le patron s'est devenu seulement fou. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Le patron s'est devenu seulement fou, bien sûr, comment. Donc, vous vous rendez donc compte que, à cause de cette différence de vision, de formation spirituelle religieuse, dans le christianisme, tu peux vendre ton frère et venir demander pardon à Dieu. Dans l'islam, le frère, c'est le frère. C'est pour ça que le président Amadou Ahidjo a fait 25 ans. 25 ans, aucune élite du Nord ne l'a trahi. Aucune. J'ai honte de donner les noms des gens qui ont trahi le président Biya. Si je me mets à citer les noms des gens qui ont trahi le président Biya, vous aurez pitié de lui. Je dis bien pitié de lui. Qu'il prend un dossier, il dit, traite-moi ça. Trouve-moi une solution sur ce problème. Il pense qu'il donne à son frère. Parce que nous parlons, les gens me disent Abdel, mais il faut un peu que vous avez vu hier son neveu. Il faut que vous compreniez ce que moi je vous dis. Il est le neveu du président de la République. Il est le neveu du président de la République. Ça ne l'a pas empêché d'enregistrer le DCC. C'est-à-dire, celui que le président parle à l'oreille, il a enregistré le DCC. Il est venu balancer dans les réseaux sociaux le neveu de Paul Biya. Imaginez donc celui-là, le président Biya, le nom. Il est encore petit. Je dis bien, il est encore petit. Il pose ce genre d'acte. Bon, ok. Le président vient le nom. Vous imaginez ce qu'il peut faire. Il faut pas que, ne regardez pas loin. Parce que quand vous regardez loin, là, c'est que vous comprenez pas ce qui est en train de se passer.
Oui, Antti. Attendez que on fasse les enquêtes sur les fonds du Covid. Vous allez voir, vous allez pleurer. Attendez qu'on fasse le compte rendu des enquêtes de les fonds du Covid. Vous allez pleurer. Moi, parfois, je dis souvent que je ne sais pas quel est le cœur que le type de Mekala il a. Il nomme un Bafia, trahi. Il nomme un Yambasa, trahi. Il nomme un Banen, trahi. Il nomme un Néwondo, trahi. Il nomme un Mangisa, trahi. Il nomme un Neton, trahi. Il nomme un Boulou, trahi. Les Boulou alors, champion du monde. T'as dit, quand tu comptes la trahison que ces gens au fond à M. Biya, tu te dis que mais c'est pas possible. Mais le père, il fait comment? Parce que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, attendez, c'est quand il va partir. Moi, je veux que Dieu vous dise, il faut que les gens commencent à aller pleurer maintenant. Parce qu'il faut pleurer que quand il vit encore, que lui-même voit que papa, nous on t'a pleuré. Parce que je vous dis là, ce qui vient là, j'ai un texte de loi ici. Je ne peux pas lire. Si je lis là, on peut dire que. On peut pas dire que tu as les documents publics. Par contre, on n'a même pas encore. C'est une mouture qu'on veut débattre à l'Assemblée. On m'a envoyé ça ici. Là. Vous allez pleurer. Quand il va partir, vous allez voir. Vous allez voir de vos propres yeux. Donc, vous croyez que le commissaire d'agro-pastoral qu'on devait organiser à Ebolova, qui a fait 20 ans, ou quand ça rentre, on n'a pas organisé pourquoi? Il disait, avec, organiser le commissaire, non, organiser le commissaire, non, faire organiser. C'est l'élite boulot. 20 ans après que tu dis, bon, ok, bon, on a pitié, on va organiser. Parce que, à un certain moment, si nous ne parlons pas, on se dit, bon, on va faire comment? On se tait. Mais à un moment donné, là, parfois, on va un peu seulement commencer à les mettre un peu dehors. Ils exagèrent. Jusqu'à les gars, ils mettent même leurs enfants dedans. C'est pour ça que là où vous me voyez, là moi je suis là. Tellement on m'a enseigné, Abdel, les ethnies au Cameroun sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Si moi je comprends exactement le président Biya. Si tu veux gouverner le Cameroun, il faut que les Bamilékés soient à côté de toi. Je vous dis pourquoi. Dès qu'un Bamiléké a son intérêt quelque part, tous qui allez venir là, il va vous vendre moins cher. L'essentiel, c'est que son intérêt continue de tomber. C'est pour ça que vous les voyez en prison. Dès qu'un gars Bamiléké est au courant, il fait le rapport à Paul Biya. Dès qu'ils sont au courant, il fait le rapport à Paul Biya. C'est comme ça que ça marche. Rejoins le cours. Quand toi tu vas venir au pouvoir, tu vas dire, vous les Bamiléké, c'est là, vous dérangez trop. Je dis, ah, et tu ne comprends pas. Ah, tu n'as pas compris le système. Quand tu es au pouvoir, en tout temps les Bamiléké, parce que dès qu'il a son intérêt là, ah, en Kaba, oui, terminé. Il va te jurer, oh papa, oh Ndalo, oh. Du coup, dès que il sent que tu ne veux plus trop lui regarder, il te secoue un peu. Dès que tu donnes encore, oh papa, oh. C'est comme ça. Donc, tentez de venir au pouvoir au Cameroun. Tu commences à dire que ah, les Bamiléké là, avant que tu n'as rien compris.
dis que tu n'as rien compris. Dis que tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Camerounais, nous là, on a pris du temps pour d'abord comprendre le système. Et de dire, mais le système si, ça marche comment? Parce que quand tu comprends le système là, comment ça marche? Tu comprends les qui tirent les ficelles. Je connais dans tous les ministères les qui tirent les ficelles, les qui bloquent les dossiers. Parce que c'est un système. Il faut t'asseoir. Tu prends le temps. Chaque ministère, il y a ce qu'on appelle une procédure administrative. Comment le document entre dans son administration? Comment c'est traité? Nombre de jours. Gare, on nous a formés dans ça. Donc je peux te dire que dans tel ministère, il y a tel service. C'est là-bas où il y a le cimetière des dossiers. C'est un système. Donc, dès que nous on voit ça, on dit que le président Biya souffre, il est dans le feu. Et toi que nous nous disons, celui qui viendra après lui, s'il ne sait pas manager, le pays va exploser. Parce que tout le monde est déjà avisé. Tout le monde est déjà avisé. Tout le monde est déjà avisé. Et c'est ça que nous on attendait. C'est cette occasion en or que nous on attendait. Et Dieu merci, le professeur Kamto nous a donné ça. Parce que vous entendez aujourd'hui au Cameroun, on dit, on va recommencer à importer les poulets congelés. Je vous donne 3 mois, voire 4 mois. Vous allez voir un champion, un milliardaire qui va sortir, il sera de l'Ouest. Il va juste commander 3 bateaux de poulet congelé. Il est milliardaire. On va changer son nom. Vraiment, le gars, il est fort. Les qui vont lui donner le monopole, ce sont mes frères Betty. Qui vont lui prendre, ils vont lui dire que Zatobomo, viens t'asseoir ici. On lui signe les papiers, on lui signe. Il dit que fais venir le poulet. Il n'a pas besoin. Seulement 3 bateaux. Il est milliardaire. Entre temps, quand tu lèves les yeux, tu dis, il y a quoi au sud de Cameroun? Est-ce que le président Biya peut faire 38 ans au pouvoir? Il n'y a pas polytechnique au sud. Hein? Ça veut dire que les gars ne sont pas dans la vision. Les gars sont dans l'intérêt primaire basé sur des individus qui représentent nos intérêts. Résultat de course. Moi, j'ai fait le tour du sud. Je sais de quoi, je sais ce que j'ai vu là-bas. Tous les grands directeurs que vous voyez là, je vous prends un exemple. Quand le père Ferdinand Oyolo vivait, voyez sa route quand il partait, la route qui partait vers son village, regardez ça maintenant. Vous allez comprendre. Et je dis, et je le dis, tous mes pères là, qui continuent de penser que il y a toujours l'axe nord-sud. Si le président Biya décide, il envoie le pouvoir au sud. Moi, il va soutenir. Moi, je vous ai dit depuis, la personne que le président Biya va choisir, il va le soutenir. Parce que lui, il peut voir quelque chose 10, 15, 20 ans avant. Donc si le président Biya choisit quelqu'un, je sais que le président Biya a lu en cette personne
des capacités que d'autres personnes ne pourront pas voir. Donc je soutiens cette personne. Je ne réfléchis même pas. S'il décide d'envoyer le pouvoir au sud, au nord, je pleure mes pères du centre-sud. Je pleure. Parce que quand vous observez les acteurs politiques du Cameroun, c'est la causerie en apartheid. Que tu comprends quelle est la vision que chaque individu a de mes pères du centre, du sud et de l'est. Publiquement là, nous sommes des amis, nous sommes heureux, mais quand la causerie devient en apartheid, c'est là où tu comprends ce qu'ils pensent de leurs amis du centre, du sud et de l'est. Donc c'est pour ça que je dis, quand le président ne sera plus là, je pleure mes pères là. Parce que ce qu'on va les faire, écoutez-moi ce qu'on va les faire. Un, ils seront chosifiés. Parce que on va tellement les chosifier de telle sorte que ils essayent de se rebeller contre le système. Mais ils n'auront plus en face l'élément du chantage parce que leurs enfants vont leur tourner le dos. Si Jules Charles Ekam, si le président Biya meurt dans son sommeil sans choisir son défunt, bienvenue à l'éclatement. Moi, je te réponds. Claire. Tu dis que si le président Biya meurt dans son sommeil, bienvenue à l'éclatement. Parce que le président Biya, lorsque le président Biya décide de construire le port en eau profonde de Kribi, lorsque le président Biya décide de construire le port en eau profonde de Kribi, c'était d'abord un, avec la stratégie de permettre aux gens de la zone forestière et maritime d'avoir deux grands ports que eux ils contrôlent. Le port sur le fleuve Vouri, et le port sur le littoral. Voyant, ayant lu les mouvements de la zone sécessionniste anglophone, a dit, si je n'ai pas investi là-bas, je ne suis pas sûr. Avec le mouvement qu'il y a là-bas, je vais réussir mon coup. Je le mets à crédit. C'est ça qui est la question. Or, quand tu fais donc cette lecture, quand tu te mets donc à creuser, donc ok, le président Biya ayant donc mis dans le port à Kribi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut donc que je dote cette partie du territoire d'une capacité énergétique. Le gars est tout dans sa philosophie que comme je veux créer une autre capitale économique, qui est Kribi, je dois créer des centrales hydroélectriques. Ils consomment Kim, ils consomment un volet. Mais Kim, c'est rien du tout. Donc, il devait donner 15 mégawatts, il donne que 3. Donc, ça là, on ne peut pas alimenter une industrie. Ce n'est que pour éclairer les maisons. On attend maintenant que mon volet finisse. Or, et quand tu fais encore une autre projection, tu te rends bien compte que quand tu prends le Cameroun, tu le déposes sur la table. Tu pars en gandale.
de Ngaoundal jusqu'à Kribi. C'est ça la force du Cameroun. Et c'est les peuples Ekan qui sont majoritaires là. Et ces peuples, dans leur résistance, c'est la bête noire du colon. Il faut que vous écoutiez ce que je vous dis. Ces peuples ont toujours donné aux colons l'insomnie. Parce que quand tu vas prendre du Cameroun, tu descends le peuple Ekan. Ils entrent en Centrafrique, le peuple Ekan. Ils descendent au Congo, le peuple Ekan. Ils remontent en Guinée équatoriale, le peuple Ekan. Ils descendent au Gabon, le peuple Ekan. Ils font toute une boucle. C'est un vaste territoire. Et c'est ça la hantise du colon. Qu'il ne faut pas que ces gens-ci puissent ne serait-ce qu'avoir les voies de communication terrestre modernes. Ils pourront avoir un jour, parce que le colon, lui, ne réfléchit pas comme vous et moi. Le colon ne réfléchit pas dans 5 ans. Le colon réfléchit toujours dans 100 ans. Donc, je dis ceci. La politique étant un jeu, mais très vicieux. Si le président de la République n'est pas là, celui qui assure l'intérim sur le président du Sénat, qui assure l'intérim. Mais oui, il y a un autre cas de figure. Lui là, ça dépend du président. Il peut créer un poste de vice-président. C'est ce que tu as oublié de dire. On peut réunir les députés à l'Assemblée, on leur dit créer un poste de vice-président. On crée le poste de vice-président, on le nomme. Dès que le président Biya n'est plus là, il fait le nombre de temps que Dieu lui a voté. Moi, je souhaite qu'il reste là-bas. Tant qu'il peut, même s'il a le bâton à la main, il reste là-bas. La seule chose qui va l'enlever là-bas, c'est la mort. Entre-temps, quand il va créer le poste de vice-président, le vice-président va rester là. Attendre le jour où le président Biya n'est plus là. À ce moment-là, c'est le vice-président qui prend les rênes. C'est aussi un cas de figure. Mais comme ce cas de figure est le joker, c'est peut-être qu'on ne le sort pas encore. On ne le sort pas encore. On ne le sort pas encore. Parce que les gens, dans leur manière de faire, n'ont pas compris que c'est l'enfant qui est obéissant au père, que le père donne toujours la succession. C'est l'enfant qui montre au père qu'il peut garder la famille, celui qu'on donne la succession. Mais dans les petites maisons, on enseigne aux gens que non, vous devez faire en sorte que le pouvoir vienne vers vous en vous organisant. C'est pour ça qu'on a créé le G11, on a créé le G18, actuellement ils sont en train de créer le G28, parce qu'ils avaient un plan A, B, C, D. Voilà. Moi, je dis encore, tant que les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral ne vont pas comprendre le sens des intérêts, il se fera trop tard quand ils vont vouloir se réveiller parce que leurs propres enfants vont leur tourner le dos. Ce que je dis là, ça va se réaliser. Parce qu'ils ont l'air de ne pas comprendre. Ils ont l'air de ne pas comprendre. Ils pensent que les petites organisations qu'ils ont là derrière là viendront faire un miracle pour que ça change. Non, ça ne change pas comme ça. Ça ne change pas comme ça.
maintenant, quand vous vous rendez compte que des gens sont incapables de lire les intérêts, c'est pour ça que de quand on parle de fédéralisme, ça fait peur aux gens. Parce que dans ce mariage des intérêts économiques, si on sort avec le fédéralisme, regardez, vous allez bien voir que le système qu'on veut nous imposer, c'est un système de classe. Et les classes vont s'auto-réguler comment ? Juste par le contrôle de l'administration centrale. Regardez vous-même une incongruité. Le président de la République a tous les pouvoirs. Il est le garant de la Constitution. Il protège le territoire national. Ce pouvoir lui est octroyé par le scrutin. Ça veut dire le vote. On vote le président. Il prête ses membres. Il a tous les pouvoirs. Civil et militaire. Mais au même moment, le même système dit aux populations, vous voyez, il faut que vous ayez un élu, c'est-à-dire un magistrat municipal qui va gérer votre cité. Le même système organise les élections, vote les conseillers. Les conseillers choisissent un leader, un maire. Le même système vient vous dire que comme vous avez voté le maire n'a pas tous les pouvoirs. Le président nommera quelqu'un qui viendra commander le maire. Ce monsieur-là, on l'appelle secrétaire général de la commune urbaine de Bafia. Secrétaire général de la commune de Mbalmayo. Secrétaire général de la commune de la ville de Yaoundé. Secrétaire général de la ville de Douala. Ce n'est pas tout. Que le même président de la République va nommer encore un trésorier municipal. Il n'a de compte à rendre à personne. Il rend compte qu'au ministre de Finances. Et le secrétaire général de la mairie rend compte au ministre de l'administration territoriale. Donc vous voyez donc l'escroquerie qu'il y a dedans. Et maintenant, quand je vais vous dire, mais attends, c'est le président Biaké qui écrit cette. Non, les amis, ce n'est pas le président Biaké qui écrit les textes qui organisent les communes et les villes. Ce sont les mandarins qui écrivent ce qu'on appelle les textes d'application. On donne au président ici seulement. Donc vous voyez donc que dans le même système, on vous dit le président a le pouvoir qu'on lui a octroyé le peuple, mais le maire ne peut pas avoir ce pouvoir, une partie de ce pouvoir, rien que pour administrer une autre commune. On dit le maire ne doit pas l'avoir. What? On appelle ça vous mettre les bâtons entre les jambes. Un secrétaire général nommé par le président de la République dans une commune doit être le subalterne du maire. Il doit exécuter les ordres du maire parce que c'est le maire qui est élu du peuple. Maintenant, il n'est pas fiston. Il est le maire et l'élu du peuple. C'est pas le secrétaire général. C'est pas le secrétaire général. Vous avez le receveur municipal qui fait ce qu'il veut. Vous avez le secrétaire général qui est le. Or. Parce qu'ils ont le souci. Ils ont le souci. Ils ont le souci
de maintenir l'administration. Ils vont vous dire que l'administration, il y a une continuité de l'administration en cas d'élection. Mais non, s'il y a une continuité d'administration, il y a ce qu'on appelle le responsable des ressources humaines au sein de la mairie. Quand le maire n'est pas là, il y a un secrétaire d'État dans une mairie. Lui qui n'est que là que pour, en cas d'élection, c'est le secrétaire d'État de la mairie qui va signer les actes, qui va faire tout s'il y a élection. Mais les gars ont dit que non, c'est le secrétaire général qui est le boss de la commune. Le maire, alors qu'on vote, alors, lui, il sait à quoi? Quels sont ses pouvoirs? Ses pouvoirs, c'est quoi? Si le président a les pouvoirs que nous lui avons donnés, via une élection, le maire n'a pas le même pouvoir. On n'a pas dit que le maire va venir challenger le président. Non! Le maire gère la ville en fonction des intérêts des populations. D'où le mot intérêt entre en jeu. Le secrétaire général, le receveur municipal va venir pour protéger les intérêts de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est pas vous, c'est pas moi. Ne vous leurrez pas. L'État, c'est 360 000 fonctionnaires, contracteurs d'administration, agents de l'État. Voilà ce qu'on appelle l'État. C'est eux qui représentent l'État. C'est pas vous et moi. Nous, on représente la République. Nous sommes la République. Nous, on appartient à la République. Mais ceux qui représentent l'État, c'est les fonctionnaires. Donc, vous voyez bien que à chaque niveau où il y a intérêt, ils envoient un représentant et ils donnent à cette personne tous les pouvoirs qui doivent être hors système pour ne pas avoir, pour que le maire n'ait pas le droit de regard sur lui. Mon frère, on connaît ça. C'est pour ça qu'ils sont là pour faire le boulot. Ils font juste ce que tout le monde connaît. C'est ça que les mandarins ont fait en Chine. C'est là-bas où est venu le mot. Le mot mandarin vient du fait que en Chine, vous avez dans l'empire chinois, les gars qui servaient l'empereur, les gens qui écrivaient les machins, c'est eux qui ont renversé l'empire chinois, pensant qu'ils allaient s'accaparer du pouvoir. C'est ce qui s'est passé en France. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Parce que ce que nous faisons là comme travail, nous ne luttons plus pour nous. Nous luttons pour ceux qui viennent derrière nous. Et c'est ça qu'il faut que vous ouvrez les yeux. C'est ça qu'il faut que vous ouvrez les yeux. J'ai suivi mon jeune frère Cabral à l'Assemblée l'autre jour. Il disait, mais comment est-ce que les gens... Attendez, je trouve la vidéo. Il ne faut pas que j'interprète les mots de Cabral. Je mets sa vidéo. Je peux interpréter là. Je déforme. Il faut que je trouve ça. Et je mets ça, vous écoutez. En interprétant, je peux déformer. Ça ne sera plus ça. Voilà. Écoutez bien ce que Cabral dit. Écoutez bien. Comprends aussi votre dépit, et c'est peut-être ce que partageait notre collègue Salmane tout à l'heure, lorsqu'il semblait désemparé devant ce micro, ne sachant par quel bout commencer entre citer les noms, ne pas les citer, parler ou ne pas parler. Je présume que vous aussi, vous partagez ce dépit. Parce que vos rapports, vous les écrivez. Il y a, la dernière fois que vous étiez ici, Monsieur le Président, vous nous avez donné une sacoche analogue à celle-ci
dans laquelle il y avait un rapport. Et ce jour-là, vous deviez prendre la parole, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je feuilletais là le rapport et je suis tombé sur deux choses. Deux hauts responsables de cette République, dont il était clairement démontré dans ces rapports qu'ils avaient siphonné les caisses de deux institutions de cette République. Et je demandais à mon collègue qui est à ma droite ce jour-là, Joshua aussi, où est ce monsieur? Il me dit, mais il est désormais à tel endroit. Où est celui-ci? Mais il a été nommé à tel endroit. Ils ont donc reçu une prime d'encouragement à ce que votre rapport fustige, met en relief. Et à la suite de Salmana, je partage juste l'étonnement. Parce que quand il a commencé son propos en félicitant le président de la République, j'ai eu envie de me demander quel est le rôle que joue le président de la République dans cette affaire. Vous nommez une CONAC, la CONAC vous donne un rapport qui vous dit que quelqu'un l'a volé, vous nommez la personne le lendemain, une façon de dire à la CONAC, good job. Peut-être quand je serai président, je verrai à quel point ça peut être difficile de faire les choses. Vous voyez donc, t'as pas dit, mais quelle est cette histoire, c'est que on te donne un rapport, la CONAC donne le président le rapport. Bon, ce que Cabral ne connaît pas, et je l'exhorte bien d'aller lire. Quand il va lire, il ne sera plus étonné. Qui prenne les textes sur la réforme du secrétariat général à la présidence de la République, va lire. Quand tu vas lire la réforme sur le secrétariat général à la présidence, tu vas savoir qui prend le rapport et qui lit. Mais va donc lire les annotations que le monsieur qui a le rapport de la CONAC va donner au président. Mon cher ami, moi j'ai découvert ça dedans. Parce que la présidence de la République, c'est une institution. Il y a des gens qui sont là-bas qui travaillent. Ces gens, quand ils finissent de matcher les dossiers, ils vont acheminer ça au secrétariat général. Le secrétaire général va maintenant apporter ça chez le président pour visa. Je répète encore, le président ne traite aucun dossier, sauf les dossiers qui viennent des multinationales et de Paris, qui tombent sur son fax direct, qui prend, il dit au secrétaire général, il donne instruction, ferme, il va dire, bon, ça l'a fait comme ça. Les autres, maintenant, quand il est informé par les autres canaux, qui peut parler une petite dire, ok, on m'a informé que je veux le rapport, je veux une explication plus claire. Parce que si tu ne lis pas cette réforme, tu vas continuer à dire, oh, quelqu'un a volé, si on l'a nommé ici. Ça me rappelle ce que les gens faisaient quand je travaillais. Un monsieur entre dans une entreprise, il a 45 ans. Il trouve qu'il est encore jeune. Il veut continuer de travailler, il sent que l'âge de la retraite arrive, il change l'acte. Il introduit l'autre acte. La question que je vais vous poser, qui change ton acte dans le dossier de la société? Il y a quelqu'un qui est là-bas dans le service de ressources humaines, qui inscrit le nom de ceux qui vont aller en retraite dans 2 ans, ceux qui vont aller en retraite dans 3 ans. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas. C'est cette personne qui retire l'ancien acte dans le dossier du concerné, remet ça. Remets le nouveau acte. Et c'est ça qu'on va prendre en compte. Et c'est la même chose à Itouli. Si moi je suis de connivence avec toi et que moi je suis à la présidence, quand le rapport de la CONAC arrive, ça va tomber chez moi. Et si toi et moi, on est en intelligence économique, et je vais retirer la partie du rapport qui m'incrimine, j'achemine l'autre rapport chez le secrétaire général. Le secrétaire général va aussi lire ce qu'il va dire. Oh, les gars, ils ont fait un bon travail. On dit au président de les nommer. Voilà comment le système fonctionne. Il faut savoir comment ça marche, ce système. Sinon, vous allez rester sur le verbiage, les mots. Vous allez rester sur les mots sans vous déporter carrément du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de prendre la présidente de la République et voir comment ça marche. Tout est centré au secrétariat général. Aucun dossier n'arrive chez le président, ça ne passe pas au secrétariat général.
C'est pour ça que c'est l'homme le plus puissant de la République. Secrétaire général. Secrétaire général. Mais, tu te mets à parler en disant le président, bien, le président, bien, gars. Lorsque nous, on a découvert, on a dit que oui, papa. C'est pour ça qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, le système prend de l'eau de tous les côtés. Le système prend donc de l'eau de tous les côtés. Ça signifie que quoi? Grâce à un direct que j'ai fait, Nongi peut être assis à la véranda, à la maison là-bas, il tout dit. Il est assis là-bas derrière. Vous savez qu'il aime toujours, il est toujours assis. Soit il a un journal à côté là, soit il a son téléphone. Il fait aussi comme ça. Ah, qu'est-ce que le Bafia s'il va encore dire aujourd'hui? Il dit que quoi? Il comprend. Une autre que le Bafia a dit. Il continue de dire. Il trouve à Mangouli. Ah, il dit que quoi? Alors, qu'est-ce que le boulot aussi dit? Une autre. Il continue. Ah, Béhémé, si, qu'est-ce que Béhémé est en train de dire? Une autre. Il trouve les gens de la base qui insultent tout le monde là. Il écoute, il dit que ah, les enfants, si vraiment, je ne sais pas, ils ne veulent pas comprendre ces choses-là. Donc, tu comprends que le système prend de l'eau partout parce que le président peut être informé d'une situation par notre canal. C'est pour ça que vous voyez donc cette situation où les gens pensent que le système va tomber. C'est parce que le système prenant de l'eau partout, les informations arrivent au président par plusieurs canaux. Les gens commencent à être très méfiants. Les gens ont peur ce que tu vas dire. Si tu modifies quelque chose, c'est pour ça que le système devient perméable, parce que le président est informé par plusieurs moyens. Or, avant, c'était une centralisation terrible. On disait au président ce qu'on veut. Même quand il ne pleut pas dans un coin de Yaoundé, on va dire au président qu'il a plu là-bas. C'est ça qui est la question. Maintenant, je vais vous lire les bienfaits de la démocratie en Libye. Vous savez que la démocratie, c'est une bonne chose. Mes chers amis, vous avez fait le calcul. 34 plus 14, je répète, j'ai dit 68 notaires qui ont des charges au Cameroun. Dans la région du centre, 34 sont de l'ouest. Dans la région de l'ouest, ils sont 14. Tous de l'ouest. 14 plus 34 sur 68. L'ouest a combien de notaires? Vive ensemble, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Vive ensemble. Et c'est ça. On vous dit que vraiment, le vivre ensemble, on est en train de garder mon frère. Fédéralisme. Minalimi. On veut rentrer dans les bêtises. C'est le fédéral. C'est quand nous supplions le président Biya et à peu pas. Tambi veut référendum. Et à peu pas, écoutez-nous. Et Andy, Biya Barou, fédéralisme, nous voulons juste le débat. Le débat. Quand je parlais là, on dit que non, vraiment. Il a dit qu'il y a 48 notaires originaires de l'Ouest. Il est tribaliste. À peu près, c'est la vérité. C'est pour ça que nous disons que nous voulons le fédéralisme. Nous ne vous imposons pas. Et à peu près, écoutez-nous. Ils vont nous tuer. Nous voulons seulement le débat. S'ils gagnent, nous, on va leur dire que vous allez gagner. Nous, on veut seulement le débat. On passe au débat. On passe au débat. Ça là, ce n'est que les notaires. Prenez donc les assureurs. Et à peu près. Et nous demandons seulement le débat sur le fédéralisme. Nous demandons seulement le débat. S'ils nous gagnent, à peu près, nous vous jurons, on va s'aligner.
Nous ne sommes pas comme les autres qui disent que si ce n'est pas le fédéralisme, eux ils vont prendre les armes. À peu près, nous ne sommes pas dedans. Tout ce que nous on veut qu'on nous dise que bon, à Bongo, ça, vous dites quoi? Nous voulons le fédéralisme communautaire. Ça là, 68 notaires, l'ensemble du territoire qui ont des charges. Et à peu près, 48 sont issus d'une seule région. Et on nous dit qu'on ne doit pas parler. Écoutez-nous. On est en train d'aller tout droit au cimetière. Donc, moi, on me dit en Bafia que quand on t'amène au cimetière vivant, il faut dire en Bafia que Banka Oubu, bah, je ne suis pas encore mort. Vous m'amenez où? Je ne suis pas encore mort. Pas que le cimetière, c'est le cimetière. Eh, à peu près, on nous conduit au cimetière vivant comment? Qu'on nous laisse au moins se mourir avant qu'on nous enterre? Nous ne sommes pas encore morts. On veut déjà nous enterrer comment? Donc, c'est pour ça que nous, on crie ici, on crie pas pour rien. On crie parce qu'il y a péril en la demeure. Comment on peut avoir 68 notaires qui ont des charges? 48 sont issus d'une région. Comment? On nous dit que c'est bon. C'est quoi ça? On nous dit que c'est bon. Non, c'est bon comme ça. C'est quoi ça? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, quand nous nous soutenons le fédéralisme communautaire, c'est parce qu'on a trouvé qu'on est en train de conduire tout un peuple à l'abattoir. C'est pour ça que nous disons que on nous met sur la table le débat sur le fédéralisme. Et, à peu près, pardon. Et, Anna. C'est pour ça que, à peu près, ils sont en train de dire décentralisation, décentralisation, décentralisation. Décentralisation, Domusukoué. Ils ont tout verrouillé, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ils ont tout verrouillé. Allez, à peu près, excellence, par eux, Barou, ils vont nous tuer. Nous demandons juste le débat sur le fédéralisme communautaire. On va débattre. On ira au référendum. Maintenant, c'est vous qui allez choisir le modèle. Vous allez choisir le modèle. On ne peut pas continuer à nous mentir. Allez prendre... Je dis, mon frère, toi qui dis là que les assurances, c'est privé, là. Tu comprends même ce que tu es en train de dire, là. Je te rappelle que le premier Camerounais à avoir une entreprise de compagnie privée s'appelle Protea Anyamba, un Bafia. Mon frère! Regardez vous-même au Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il est question. On vous tourne avec la politique, on vous dit vraiment, l'opposition camerounaise, pour la première fois, ils se sont assis autour d'une table pour un code électoral. Le code électoral va faire que ceux qui contrôlent la distribution des médicaments au Cameroun, vous avez Laborex, vous avez CIBC, CIB, Laborex, il est là, quoi? Derrière le machin. Derrière l'église baptiste qui est là, quoi? En face de salle de fête d'art, quoi? Tu vois, la rue qui entre là. Je ne sais pas comment on appelle encore ça. Vous avez, c'est quoi pour les anglophones là, c'est quoi? C'est Satellite, quoi là?
si c'est médicaments, satellite, quelque chose comme ça. Ils sont trois qui distribuent les médicaments au Cameroun. Écoutez-moi, mes frères, c'est pour ça que vous n'allez jamais avoir de pharmacie. C'est pour ça que les pharmaciens sont contrôlés par les gens de l'Ouest et les gens du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Vous, là, au centre, vous êtes les gens qu'on doit mater. Quand comme on parle là, ça ne plaît pas aux gens. C'est moi qui vous dis. Le fait que je parle là, on dit le Bafiasi ouvre trop les yeux aux gens. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. La Bresse a déménagé de Ndobo. La Bresse a déménagé de Ndobo, ma chérie. La Bresse, c'est mon quartier Ndobo, ma chérie. Laisse l'affaire là. Là où la Bresse était, c'est une banque qui est là-bas maintenant. C'est mon quartier. C'est une banque qui est là-bas. C'est la société, c'est Lionel, c'est l'entreprise Lionel Banque qui est là-bas. La Bresse est à quoi? Mais oui. Mais c'est ça que je te dis, non. Il y a aussi l'autre qui est là, Tawamba, qui fabriquait les médicaments là à Rome Poulain. Il fabrique maintenant que le machine de perfusion. C'est ça. Oui. Ok. Ok. Donc, tant qu'on va continuer à s'asseoir et de dire, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir, parce que Paul Biya a le pouvoir. On se trompe. Notre salut va venir que derrière le fédéralisme communautaire. Parce qu'on va remettre les cartes sur table. C'est ça qui est la question. Moi, je n'ai pas un problème. On va remettre les cartes sur table. On va remettre les cartes sur table. C'est ça qui est la question. Bon, si les gens refusent, qui pensent que vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Je vous dis, le discours que je tiens là, ce discours fait peur. Parce que ça touche les poches des gens. Ça touche les intérêts. C'est pour ça qu'on a peur de m'inviter. Il y a une jeune dame qui m'appelle. Elle est passée par un de mes amis. Vraiment, je veux t'inviter dans un débat. Je dis que tu vas m'inviter dans un débat. Ok, mais moi, pour le moment, moi, je parle le temps. Hein. Ton débat, là, c'est pour parler de quoi? Non, on va parler de la politique. Il dit que, bon, tu sais, ma chérie, vraiment, je t'aime bien. Je regarde souvent tes émissions. Mais si on ne parlait pas de l'économie, ça ne vaut pas la peine que moi, je vienne là-bas. Il me dit, ah bon? Je dis que oui. Il dit, bon, écoute-moi bien. Si tu veux que je vienne dans ton émission débattre avec les gens, invite n'importe quel Camerounais pour venir débattre. Si on débat sur les intérêts économiques au Cameroun, ma chérie, je suis chaud. Pour ça là, je suis chaud. Très, très chaud. Je viens à ton émission, tu peux m'inviter même tous les jours, je vais m'asseoir. Les Camerounais, pas qu'ils vont tous fuir. Il me dit, en bon, il dit qu'ils vont tous finir, il n'y aura personne pour débattre. Il dit que personne ne peut venir débattre. Quand on va mettre sur la table les intérêts économiques, puisque c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on cache, on vous met Paul Biya devant. Mais on cache les intérêts économiques que les gens se sont partagés. C'est de ça qu'il est question. Alors, on procédait par État, on dit, c'est la Maxi qui vient prendre le terrain. Ok. Quand tu es à CCC, écoutez-moi. Quand tu es à CCC, tu pars de CCC jusqu'à Ndokoti.
du côté de la CCC. On appelle là-bas la zone industrielle. Ok. C'est le Ngom qui avait pris, non? Ok. Pourquoi le terrain là que le Ngom avait pris aujourd'hui, c'est pour les privés? La Mazi est où? Pourquoi la Mazi ne demande pas à ces gens de payer la location? C'est de ça que moi je parle. Bon. Là où il y avait Shimoka qui vendait les véhicules Mitsubishi, écoutez-moi. On vient vous raconter des bêtises. On vous raconte des bêtises. On vous ment. C'est ce que je dis là qu'on vous cache. Vous connaissez qui a loué ça à l'entreprise Dongfeng? Vous connaissez qui a loué? Vous connaissez qui a loué ça? Open your eyes. Ouvrez vos yeux. Des gens se sont assis sur le patrimoine de la République. On vous présente Paul Biya, le méchant, le démon. Il a gâté le Cameroun. Cette fille, un jour, elle m'a appelé. Grand frère, tu as dit que quoi? Que petit sœur. Tu connais le Cameroun? Parle de l'économie. Tu vas voir même ton boss dans ta chaîne de télévision là va te virer. Les bons sujets au Cameroun. C'est Paul Biya must go. Wow, Ababa a volé l'argent. Wow, le ministre Etel a fait ceci. Le ministre Etel a fait ceci. Quand tu vas parler d'Ababa, tu parles de Lupo Moutassé, tu parles de le ministre de la Défense, tu parles du secrétaire général, tu parles du ministre Gaston. Dès que tu parles de ministre de la zone forestière, là, les chaînes de télévision vont applaudir comme ça, là. On va dire, ouais. Comme ça, les journalistes vont écrire. Par contre, tu vas parler de ministre Ewondo, Ebeti, Ebulu. Mais dès que tu ouvres ta bouche, les intérêts économiques, les journalistes n'ont plus de voix. Tous les journalistes disparaissent. Vous savez pourquoi? Anti, ces mêmes journalistes, ce sont ses intérêts économiques qui leur disent, bon, ok, toi, va tirer ton journal dans telle imprimerie. C'est pour ça que moi, je vous dis, dès qu'on va avoir les racines, on va révolutionner la presse, on va mettre un petit budget, on va commander, on va venir avec le journal gratuit, on partage une job, gratuit. On va tuer le secteur de la presse parce que c'est un secteur de malédiction. Qui sont là pour faire de la manipulation? On viendra avec le gratuit. On va dire que ça, c'est le don qu'on fait au peuple. L'informer des vraies réalités. Regardez vous-même. Quand vous ne comprenez pas le système, je vous avais dit ici dans un direct qu'en matière d'éducation, l'État, le gouvernement ne négocie qu'avec trois institutions. Syndicat national des enseignements confessionnels. Syndicat national des enseignements privés laïcs. Et syndicat national des enseignements publics. Voilà les trois interlocuteurs de l'État. Dans ces trois syndicats, la région de l'Ouest contrôle les trois. Ça n'apparaîtra jamais dans un débat télévisé au Cameroun. Jamais. Et vous savez le rôle de ce syndicat? C'est ce syndicat qui harmonise les frais de scolarité. Moyennant des retours commissions au plus gros puissant directeur de l'administration de l'éducation nationale. C'est que ça le système. La presse privée fait table rase de tous ces systèmes qui sont en bas, qui tirent les ficelles. On tue ça dans l'œuf. On ne parle pas. Nous sommes la génération où on fréquentait l'école, c'était de la seconde en terminale. 70 000 francs CFA. Aujourd'hui,
Seconde, un prix. Première, un prix. Terminale, un prix. Sixième, un prix. Cinquième, un prix. Quatrième, un prix. Troisième, un prix. Première année, un prix. Deuxième année, un prix. Troisième année, un prix. Quatrième année, un prix. Les qui organisent, c'est les trois syndicats là contrôlés par mes beaux-frères. Entre-temps, vous, les peuples de la forêt, qui ne comprenez rien au système, vous êtes là pour dire vraiment, ayop, Paul Biya, ayop, Nimi, Paul Biya, ayop, eh, Abouba, fédéralisme. On nous met le débat sur la table. C'est ça que nous, on veut. C'est ça que nous, on veut. Ouais. Ok. Tu es en direct. Bonsoir, très chers à tous, très chers tous. Nous sommes sur le bon chemin. Merci à tel. Encore une fois, il est inutile de rappeler combien de fois tes lives peuvent être, comme on dit souvent, sucrés. Le fédéralisme communautaire. Le fédéralisme, voilà ce que nous demandons. Nous demandons le référendum. Qu'on nous laisse choisir la forme d'État que nous voulons poursuivre. Nous sommes fatigués des uns qui sont assis à l'administration, qui donnent aux autres dans l'économie. Nous sommes fatigués de ceux qui sont assis parce qu'ils ont la force de la signature, s'arrangent à donner à qui il veut pour avoir son derrière. Nous voulons décider de nous-mêmes dans nos régions, dans nos États, si ce serait les États ou alors les provinces, de ce que nous voulons faire de nous. Nous ne voulons plus l'État se centraliser à montrer ses limites. Nous ne voulons pas de cette décentralisation où un préfet ou gouverneur ou un secrétaire est au-dessus de quelqu'un qui a été, qui est allé aux élections et qui a gagné ces élections, comme le président de la République l'a été. Nous avons besoin de faire confiance aux personnes que nous allons nous mettre dans nos régions afin de diriger si nous devenons des États ou des provinces. Nous disons sur la toile, pas d'insultes d'ailleurs, nous n'en faisons pas. La toile tremble. Je voulais dire, certaines personnes au Cameroun tremblent quand ils nous entendent parler du fédéralisme. Ils comprennent que les gens ont ouvert les yeux et que nous ne sommes pas les ennemis des uns parce qu'ils ont, mais nous sommes plutôt mal à l'aise de savoir que certains ont, sans passer par la bonne voie, certains ont le sous-sol, des endroits où le sous-sol est fleurissant, qui fournit tout. À cet endroit, il n'y a rien. Et là où le sous-sol ne donne rien, il y a tout. Parce que celui qui a la signature vient de l'endroit du sous-sol qui donne tout. Oui, celui qui a la signature dans l'administration vient de la province ou de la région du sous-sol qui donne tout. Mais accepte de donner sa signature aux autres parce que lui, il veut que ce soit sa maison qui paye. Voilà le poulet congelé qu'on veut déjà nous ramener au Cameroun. Réveillons-nous. Nous sommes pour le fédéralisme communautaire, l'économie pour tous. Je m'arrête là. Merci. Quelqu'un nous a fait savoir tout à l'heure, je ne sais pas si tu disais, que quelqu'un a adoré ce mot-là aujourd'hui sur un plateau de télé. Tout le monde était scandalisé. Parce que ça commence à arriver. Nous demandons le fédéralisme. Ce sera ça, hein, mais si. Ma tête. Faut pas jouer au naïf. Quand tu dis que faux, ils contrôlent deux syndicats sur trois. Écoute-moi bien, ma tête. Ceux qui ont l'argent au Cameroun, c'est mes beaux-frères, les gens de l'Ouest. Je te prends un ministère. Ministère de l'urbanisme et du développement urbain et de l'habitat. Là-bas, les gens qui sont les plus grands directeurs dans ces ministères, ce sont les gens de la forêt.
les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral. C'est eux qui sont les grands directeurs là-bas. Ça fait 38 ans que le président de la République, Paul Biya, est au pouvoir. Tous les étudiants de l'école des arts de l'architecture qui est au Lomé, qui est au Togo, à Lomé, exclusivement ceux qui passent ce concours sont mes beaux-frères. Comment tu peux dire qu'ils contrôlent deux syndicats sur trois, alors qu'on sait qu'ils contrôlent l'administration parce qu'ils ont l'argent? Donc, en ricochet, même le seul syndicat public que tu penses qu'ils ne contrôlent pas là, c'est eux qui contrôlent toujours. La preuve en est, on a explosé les prix des APE. Tu n'es pas au courant? On a bombardé les prix des APE. C'est déjà devenu 100 quelque chose de 1000. Tu n'es pas au courant? Et ça là, c'est pour empêcher nos enfants d'aller à l'école. Le programme, il est clair. Nous sortir du système au Canada, ici là. Quand on te sort du système, ça veut dire que tu ne peux plus, tu ne peux même plus avoir une carte de crédit. Tu es hors système. Tu ne peux même plus travailler. Du coup, tu te retrouves à la rue. C'est ça qu'on est en train de nous implémenter doucement, doucement. Et nous avons dit ça là. On ne peut pas nous le faire. On a laissé les peaux de nos parents là. On a laissé ça. Cette fois-ci, nous disons qu'on rebatte les cartes sur la table. Ce sont ces choses qu'on va débattre. Tu penses que c'est normal qu'ils contrôlent tout un secteur, deux syndicats, et ce sont ces syndicats qui négocient avec l'État? D'où ça sort qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun? On a baissé les salaires, mais l'école augmente de prix. Hein? Je te rappelle en passant, la clé n'a pas augmenté. Hein? Ça a tout été 25 francs. Les gens blaguent, vous ne devez pas blaguer. Quand moi je fais mes directs ici là, quand je finis mon direct ici là, les gens ne dorment pas. Tu sais que la fession va faire comment? Je veux que vous direz, moi on m'a proposé l'argent, hein, de changer le discours, hein. Changer le discours. De venir parler politique, m'asseoir ici, parler de la politique, oui, Paul Biya, oui, les élections, Paul Biya, oui, les élections. Tu sais, mon ami, si tu connaissais 12 sorts, tu n'allais pas me faire une proposition pareille. Tu connais d'où je sors. Tu n'allais pas me faire une proposition pareille. Gars, ça ne marche pas. Nous sommes en train de lutter pour notre avenir. Vous nous dites que non, il ne faut pas lutter pour notre avenir. On lutte pour ça, c'est pour nos enfants. Hein? Quand vous-même, vous regardez la télévision nationale, on a créé une commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Nous là, ce qui est choquant pour les gens, c'est qu'on parle les faits. Vous savez, les faits sont difficiles à nier. Je vous mets au défi, depuis que le président Biya est au pouvoir, montrez-moi la valorisation du tissu traditionnel des peuples de la forêt qu'on appelle l'Oebom. Montrez-moi une seule fois dans une manifestation internationale où on a valorisé le tissu traditionnel des peuples de la forêt qu'on appelle l'Oebom. Montrez-moi ça une seule fois. Je veux demander mon goût, montrez-moi ça. Là, on a valorisé ça même une seule fois. Je veux voir, c'est où? C'est où? C'est où? Vous allez fouiller, ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Ça veut dire que les peuples de forêt n'avaient pas de civilisation, n'avaient pas de culture, ils n'avaient rien. Au Cameroun, quand on parle culture, tu as deux peuples.
les peuples de Grasse-Ville, de l'Ouest et les peuples de Santa. C'est fini. Voilà la culture camerounaise. Même les Gamboura du Nord, ça ne passe plus quelque part. Ça ne passe plus. Mais quand nous, on se met à dire ça, on dit que non, c'est pas de Dieu, vous êtes en train de mal faire, vous voulez Dieu. Eh papa, nous on parle que des faits. Ce sont ces faits-là que nous on parle. Et c'est là où ça devient compliqué. Lorsque la Commission nationale sur le bilinguisme veut parler au nom de la République, quand elle sort un livre pour magnifier la culture camerounaise, elle doit diviser sa couverture, la zone sahélienne. Sa couverture, elle doit diviser, elle divise la zone du Sahel là, elle dessine les huttes qui sont là-bas. Avec les Gamboura, elle dessine le littoral, elle dessine. Mais tout ce que la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme prône, selon nous, depuis qu'on a mis ma famille là-bas, il ne ressent pas comme s'il est bakouéré. Non, là-bas, on ne pense même que le Ndob qui est bien. Les autres n'existent plus culturellement. Et vous voulez qu'on nous se taise. Eh, à peu près. Nous, on a Facebook. Les Facebook. Nous, on a ça. Nous, on va sauf qu'appuyer sur ça. Jusqu'à ce que le président va nous donner le débat sur le fédéralisme communautaire. Le président va nous donner ça. On va débattre sur ça. Jusqu'à on ira au référendum. Vous nous gagnez, on s'aligne. Vous nous gagnez, on s'aligne. C'est simple comme bonjour. C'est simple. Je veux donc vous lire. Les gens qui adorent la démocratie, c'est une bonne chose. Je veux donc vous lire un petit truc. Quand j'ai regardé ça, il dit que, oh, le peuple africain, je ne sais pas s'ils vont comprendre ces choses un jour. Un seul jour, ils pourront comprendre. Ils pourront comprendre. Ils pourront comprendre. Ils vont comprendre ça un jour. Quand tu parles, on te dit que non, vraiment, de Dieu, c'est du tribalisme. Quel tribalisme quand les gens sont en train de poser les vrais sujets sur la table? Voici la dictature de Kadhafi. Écoutez-moi bien. La dictature de Muammar Kadhafi. Kadhafi était un dictateur. Électricité à usage domestique gratuit aux Libyens. Oh! À usage domestique gratuit aux Libyens. Le prix du litre d'essence était de 0,08 euros le litre. Le coût de la vie en Libye est beaucoup moins élevé que celui qui prévaut en France. Par exemple, le prix d'une demi baguette de pain en France est d'environ 0,60 euros.
tandis que en Libye, 0,11 euros. Vive la dictature. Les banques libyennes accordent des prêts sans intérêt. Les citoyens n'ont pas d'impôts à payer et la TVA n'existe pas. La Libye est le dernier pays dans la liste des pays endettés. La dette publique est à 3,3% du PIB. En France, elle est à 84,5%. Aux États-Unis, 88,9%. Au Japon, 225,8%. Vive la démocratie. Le prix pour l'achat d'une voiture Chevrolet, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Renault est au prix usine. Voiture importée du Japon, Corée du Sud, Chine, États-Unis, vendue en Libye, prix usine. Nala, vive la démocratie. Pour chaque étudiant voulant faire ses études à l'étranger, le gouvernement attribue une bourse de 1623,11 euros par mois. Aujourd'hui, ces étudiants sont devenus les commandeurs de nourriture dans des maisons de aide pour manger. Tout étudiant diplômé reçoit le salaire moyen de la profession du cursus choisi s'il ne trouve pas d'emploi. Lorsqu'un couple se marie, l'État paye le premier appartement ou maison, 150 mètres carrés. Chaque famille libyenne sur présentation du livret de famille reçoit une aide de 300 euros par mois. Il existe des endroits nommés Jamaïra où on vend à moitié prix les produits d'alimentation pour toute famille nombreuse sur présentation du livret de famille. Vive la dictature. Pour tout employé dans la fonction publique, en cas de mobilité nécessaire à travers la Libye, l'État fournit une voiture et une maison gratuitement et quelques temps après, ses biens sont à lui. Nala. Dans le service public, même si la personne s'abstient un ou deux jours, pas de déduction de séjour sur son salaire et pas de justificatif de maladie. Vive la dictature. Tout citoyen ou citoyenne n'ayant pas de logement peut s'inscrire auprès d'un organisme d'État et il lui en sera attribué un sans qu'il ou elle n'avance aucun frais et sans crédit. Le droit au logement est fondamental en Libye. Et un logement doit appartenir à celui qui l'occupe. Vive la dictature. Tout citoyen libyen souhaitant faire des travaux dans sa maison peut s'inscrire auprès d'un organisme d'État et ces travaux seront effectués gratuitement par des entreprises de travaux publics choisies par l'État. Vive la dictature. Le souci de l'égalité entre hommes et femmes prévaut et les femmes ont accès à des fonctions importantes et à des postes de responsabilité. Vive la dictature. Chaque citoyen et citoyenne peut s'investir activement dans la vie politique et dans la gestion des affaires publiques au niveau local, régional et national dans le cadre d'un système de démocratie directe. Cela va des congrès populaires de base permanente jusqu'au congrès général du peuple, le grand congrès national qui se réunit une fois par an sur 3,5 millions
d'adultes, 600 000 citoyens participant activement à la vie politique. La Libye est la première réserve pétrolière d'Afrique. La Libye contient 1800 km de côte sur la Méditerranée et a un des taux d'ensoleillement de plus élevé au monde. Les soins médicaux sont gratuits. L'éducation secondaire et universitaire sont gratuits. Le taux d'alphabétisation est supérieur à 90%. Il y a des subventions sur toutes les denrées alimentaires de base. Exemple, un kilo de pâtes acheté 1 euro à un producteur tunisien, le gouvernement libyen le revend à 0,50 euros aux Libyens. La Libye participe ardemment au développement de l'Afrique, à son indépendance vis-à-vis des Occidentaux et leur système monétaire dictatorial. C'est plus de 60 milliards de dollars que l'État libyen était prêt à investir dans 25 pays d'Afrique et donner du travail à des millions d'Africains. La Libye est le sixième ou septième fonds souverain financier dans le monde. Les réserves fiduciaires sont supérieures à celles de la Russie. Par exemple, si cela, c'est de la dictature, je signe maintenant, car aucun dictateur ne fera ce genre de choses. Les Libyens vivaient mieux que nous avant. Cette guerre, les médias nous ont menti pour la guerre en Irak, Afghanistan, en Syrie, et cela continue. Pour les gens qui continuent de rêver de la démocratie, voilà le résultat de la démocratie. Un pays est détruit. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour où les Chinois vont être vaccinés au virus de la démocratie, ça sera fini pour les Chinois. Et les Occidentaux, ils sont très patients. Ils ont l'art de la patience. Ils cultivent même l'art de la patience. Tant qu'ils font un combat idéologique avec toi, ils ne sont pas pressés. Ils vont doucement, 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 doucement. Et comme la Chine connaît ça, dès qu'un étudiant chinois va étudier en Chine, va étudier chez les Occidentaux, dès que tu reviens en Chine, on t'envoie d'abord dans une salle de rééducation. On te reforme à la doctrine chinoise. On te lave le cerveau. C'est pour ça que quand ils vont en Occident, on envoie rien que les dessinateurs professionnels. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de reproduire les villes occidentales chez eux. Ils n'ont pas besoin de plans. Ils regardent seulement, ils dessinent son papier. Ils dessinent pas avec ça en Chine. Ils dessinent les rues. Papier, on reproduit ça là-bas. Maintenant, les Européens disent qu'on va porter plainte. Ils copient trop. On a légalisé la copie. Ils copient la ville autrichienne. Ils copient Paris. Ils copient tout. C'est ça, mes amis. À chaque génération, son combat. À bon entendeur, salut. Une fois de plus, il faut que à partir d'aujourd'hui, vous compreniez bien le sens des intérêts. Une fois de plus, je sais que les gens qui sont abonnés avec dans notre plateforme comprennent le sens des intérêts. Mais il y a plein de personnes qui pensent qu'ils vont s'en sortir seuls, il est dans son coin, il se bagarre, mon cher ami. Tu vas t'en sortir seul, mais dès que tu meurs, ça tombe comme un château de cartes. C'est en groupe qu'on va demeurer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on a mis la fondation pour que ça reste des années et des siècles. Ou alors que les autres font comment? Que les autres sont multimilliardaires parce qu'ils n'ont pas mis les bases. Ils ont mis les bases. Ils ont mis les bases. C'est pour ça que c'est les mêmes familles qui sont toujours en Occident. Ils sont milliardaires de père en fils. Parce qu'on a mis les bases. Si on ne met pas de bases, vous avez un gars qui vient de vous dire que non, moi je suis plus beau.
je suis plus intelligent. J'ai 4 doctorats. Dès qu'on vient vous parler de ce genre de langage, chassez-le. Chassez-le. Avoir 4 doctorats ne veut rien dire. C'est penser à la communauté qui est importante. Sa capacité de prouver qu'il peut protéger les intérêts de la communauté. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le doctorat. Même c'est dans la tête des gens que quand quelqu'un a 5 doctorats, il est important. Il est vraiment au-dessus de la société. Papa, toi, tu sais qu'il est parti apprendre quoi là-bas? Voilà ça qu'on vit là-bas au Cameroun. J'entends Anga Nombongo. Il voulait le qui chantait bien un peu ça. Quand il nous disait que Amanengone Eko, il n'y a rien dit. Eko Binya, Eko Mwango. Bonne soirée à vous tous. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Je suis malade depuis le jour où j'ai vécu la vie ici. Je souffre de camomille aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale. Il se tire en très têtue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son off, alors qu'il parade les confiants. On ne balaye pas chez nous, on ne balaye chez eux. On est fiers d'être bantous, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand on va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon âme est mal, c'est la faute à Babia. Tu vas épouser une babilette. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le parotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton autre qui t'explique ton salaire. Il te dit tu es toi. Tu es seulement toi. Toi sur le don de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun. Pays en chantier. Beaucoup de peuple. Chaton vient avec sa pagaie. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de la région de petits mouboutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un gloukoukou. Nerveux dès le matin, périssé. Ne me parle pas de balai, mon pote, trop qu'on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu connais Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans un jar, tu ne vas même pas à Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chicas tes amis sur, c'est la faute à Fabia. Comme là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Ton qui crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Nous sommes tous dirigeants du Cameroun.
Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.